que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. J'ai décidé de vous amener avec moi dans ma petite journée à Paris. En plus on va faire un truc trop cool. Comme c'est la période des galettes des rois, je me suis dit que c'était parfait pour faire un test. Parce qu'on teste tout, pourquoi pas les galettes des rois. Il y a Jérémy qui sera avec moi. On va les tester les meilleurs, les plus chers. On va tester plein de trucs, j'ai trop hâte. Donc on va passer la journée à Paris et ensuite faire genre un espèce de gros mukbang à la maison. Je sais pas comment on va faire, mais on va tout goûter. Il y a Jérémy qui vient d'arriver et comme ça je vous montre. En fait il a récupéré mes colis que j'avais commandés. J'ai commandé ça, de l'acérola, parce que je prends du collagène et en fait c'est bien de prendre la vitamine C avec pour que ce soit bien assimilé. Du coup j'ai commandé ça sur je sais plus trop quel site, un truc de pharmacie. Et j'ai recommandé mon Revitalash qui est trop trop bien. Pour ceux qui connaissent pas, c'est genre une cure pour les cils. Il y a aussi une cure pour les sourcils. Et en fait ça je le fais une fois par an. Enfin c'est la deuxième année que je le fais. Et là c'est la cure de 3 mois. Je suis trop trop contente de recommencer ça. Vous le mettez juste tous les soirs sur vos cils. C'est un petit produit et ça fonctionne trop trop bien. Genre franchement ça coûte cher, mais c'est un trop bon investissement si jamais vous voulez avoir des beaux cils bien longs et bien épais. Enfin bref, j'ai mangé un petit déj. Donc je pense qu'on va y aller. Avant d'aller acheter les galets des rois, on va aller manger un petit peu pour ce midi. Il fait trop beau. Le temps est incroyable. Oula, je vais me prendre un poteau dans la gueule. On va faire la plus chère et la meilleure. Je connais pas du tout la plus chère, le prix, parce qu'en fait c'est Jérémy qui a acheté exprès. Est-ce que tu me dis maintenant? Ouais, vas-y, dis-moi maintenant. Mais non, ouais, ça t'a coûté tellement cher. Et elle est, ah, je te dis le prix. Ouais. Elle est à 65 euros. Arrête. Arrête. Ouais, si. Et du coup, après la meilleure d'Île-de-France cette année, elle est à Clamart. Faut pas qu'on en achète plus que deux. Bah, parce que on va mettre 2 ans à les manger. Ouais. Ouais, on va manger ça toute la semaine. Bon, 2 journées, ouais. J'ai hâte de goûter, mais putain, 65 euros, je vais pas en mettre. Si, hein. 65 euros, ouais. Une galette des rois. Les galettes ont explosé parce que le prix du beurre a explosé. Ah ouais, c'est. Et sur cette année, c'est la sauce infernale au niveau des prix des galettes à côté de ça. C'est dingue. C'est fou, hein, ce qu'on apprend sur internet. C'est dingue. Bien manger et comme on est à côté des Champs-Élysées, je vais aller acheter mon fond de teint parce que j'en ai plus. J'ai raclé la moindre goutte. Jérémy, il est trop fan de Sephora des Champs. C'est le pire endroit de la terre. Ouais, le plus grand avec le plus de monde. Sephora, faut être solide psychologiquement. Qu'est-ce qu'on fout là? I can't sit still for a minute. Trop bien. Il y a une couronne. Ah ouais? Ouais. Bon, maintenant on va aller à la meilleure de Paris. C'est pas à côté, mais on va y aller et comme ça après on rentre à la maison. Et on goûte tout. La meilleure partie, j'ai trop hâte de manger, j'ai trop faim. Let's go! On est arrivé, ça s'appelle la fabrique aux gourmandises. Ça paye pas du tout de mine, ça me plaît encore plus. En vrai, c'est plus ces trucs comme ça qui me vendent du rêve plutôt que les genre au Four Seasons. Concours de la meilleure galette aux amandes. Bonjour. Bonjour. Ça sent bon. Je veux trop manger. J'ai hâte, ça y est, on rentre. On est arrivé, c'est l'heure de l'unboxing. Wow, elle est belle. Oh, elle est lourde. Elle est glossy, genre. Elle est glowy. Glowy. Glossy. Ils ont mis du gloss avec une magnifique couronne. Celle-là, elle a coûté 17. Là, on est sur du haut de gamme. En même temps, non, mais attends, on a payé 65 euros. Waouh. Waouh, mais là, c'est une couronne. Ça vaut 65 euros. Elle est énorme. Waouh. Wow. Choquée. J'espère que c'est moi qui vais avoir la fève. C'est ouf! Ouah, c'est trop beau! Je suis choquée, on dirait une boîte de chaussures. Ouah!
elle est incroyable. Ah ouais, non mais ils ont pas du tout blagué, c'est incroyable. Non mais elle est épaisse, c'est pas possible. Il y a trop de trucs dedans. Non mais là je suis choquée. Ils nous ont tous dit qu'il fallait genre chauffer le four et après l'éteindre, comme ça le four était chaud, et mettre la galette dedans pour les faire réchauffer. Donc c'est ce qu'on fait, j'en peux plus d'attendre là. Mon dieu. Non, on commence par... Bah, potentiellement, elle est plus bonne celle-ci, tu vois. Attends, qu'est-ce qui est frangipane, qu'est-ce que... Attends, viens t'asseoir. Ça, c'est frangipane. Donc celle-là, c'est la meilleure d'Île-de-France. Et celle-là, donc, c'est celle du Four Seasons. Le chef, il est spécialisé dans le feuilletage, tout ce qu'il fait. Ouais, ça se voit. Et la frangipane, donc c'est une frangipane, donc normalement à base d'amande, à la cannelle cassia, aux notes acidulées et piquantes et au parfum puissant et poivré. Ouais, ça va être incroyable. Vas-y, let's go, là, j'en ai marre de parler, j'ai faim. C'est du pain le truc. Ouais. C'est une brioche. Une épaisseur, mais c'est pas possible. C'est une brioche trop bizarre. J'ai l'impression qu'on se rend même pas compte à la caméra. Tu découpes la fève, fais gaffe. Du coup, on commence par laquelle? Ah, t'as vu la fève? Non. Si, vu ta gueule, t'as vu la fève. Tu veux quelle part? Je veux celle de mon côté. Non, tu veux pas. Tu veux la fève? Non, je m'en fous. Pas grave, j'ai dépensé 65 euros. Elle est chelou. Ouais, c'est un tortelloni. C'est moche? Ouais, trop moche. C'est la pire fève de l'histoire, c'est un bloc blanc. Ça me fait penser à un cinnamon roll, je sais pas pourquoi, l'odeur. Ah, mais c'est énervé. Ah ouais. Ah, le goût. C'est un goût de galette, mais. Cinnamon roll. C'est une galette cinnamon roll. Ouais. C'est hyper bon. On dirait un croissant à la galette, à la cannelle. Au cinnamon roll. Au cinnamon roll. C'est une galette, mais après, tu sais, c'est souvent comme ça. Un truc de chef, c'est toujours répétitif. C'est pas si sucré. Non, j'ai pas les mots. J'ai plus envie de parler. C'est trop bon. Un cadeau un jour de malade. Enfin. Ouais, t'es invité à dîner, à déjeuner ou à dîner, genre à cette période-là. Après, tu vas prendre une belle dans une boulangerie, c'est aussi bien, tu vois. Mais, ouais, mais là, vraiment un truc genre luxe, c'est incroyable. On goûte l'autre. Ouais, et l'autre, elle va être trop bonne aussi, je pense. Ouais, je pense qu'elle va être trop bonne. Waouh, elle a l'air tellement chargée. Oh, vas-y, coupe la en 4 alors. Vas-y, en 4, pareil. Ça a l'air très très bon. Mais la différence, l'épaisseur, c'est genre. On est sur le jour et la nuit. Ça, c'est un pain, genre. Ouais. Comment elle est bonne. Ça, c'est une vraie, vraie galette, genre. Une galette hyper bonne. T'as la fève? Non, t'as la fève? Non. T'as la fève? En fait, c'est pour ça que j'aime pas. Dès que je croque, j'ai chaud de casser une dent, tu vois. On reprend l'autre là. Je trouve ça un peu dommage que ça se décompose comme ça, tu vois. Bah, à chaque fois que là, tout ce que j'ai coupé, ça se décomposait. Quand t'as une galette à 65 balles et t'as envie de servir tes invités. Tu manges à la petite cuillère. Jérémy. Ouais, parce que tu coupes comme une merde. Je te jure que non, j'ai rien fait. Moi, à 65 euros, ma galette, je vais lui trouver tous les défauts du monde s'il faut. Hein. Trop bon. Mais c'est très cannelle. On sent que la cannelle. Ouais, on sent pas, c'est le frangipane. Si vous voulez une vraie galette, vraie frangipane, tout vraiment l'original quoi, prenez la moins chère. Ça c'est vraiment le goût de la galette, le frangipane, tout, pour pas non plus hyper cher et elle est très très bonne. À goûter en tout cas si vous avez si vous pouvez mettre un budget comme ça ou si vous avez envie, elle est incroyable, enfin c'est vraiment, c'est de l'argent. Je sais pas si ça vaut son prix. Je pense pas que ça vaille 65 euros. Après tu manges ça du par ailleurs, enfin vraiment c'est un truc spécial. De ouf. Non, pour 8 personnes, pour 8 personnes, 65 ça va. Genre les palates parisiennes sont capables de la vendre à 100 balles. Je trouve que ça va, tu vois. Ouais, et puis là c'est spécial, c'est une galette, c'est pas genre juste acheter un petit gâteau. Ouais, ouais, voilà. C'est quand même un budget, hein. 65 euros pour une galette, c'est un dégât. Jamais, je crois que de ma vie entière, j'avais dépensé aussi cher dans un truc comme ça. Ouais, mais normal. Jamais. Bah 65, c'est le prix d'un bon restaurant pour deux. Ouais. Et là, c'est juste une galette. Putain. Je pense que je préfère celle-là, tu vois. Ouais, moi j'aime trop la frangipane. Je suis un peu déçu, je m'attendais plus à une frangipane de luxe de ouf. Ouais, genre trop trop bonne. Genre la frangipane. Mais l'original version. Ouais, bonne. Genre tu sens l'amande comme jamais, enfin vraiment une frangipane de malade. Alors que là en fait tu la sens un peu, mais tu sens surtout la cannelle, tu sens surtout le beurre. En fait le mix est super bon, mais c'est en fait, ouais, un bon gâteau en fait. Ouais, si on doit choisir une des deux pour la meilleure galette des rois, bah choisis elle. Ouais, et le meilleur rapport qui a été pris. Mais moi je choisis elle parce qu'elle, elle a pas trop le goût de la frangipane, pas parce qu'elle est moins bonne, c'est juste parce que c'est différent et pour le coup, ça c'est vraiment la vraie, vraie, vraie quoi. Voilà. Là j'ai envie de mourir. Ah, moi aussi. Je me sens là, j'ai envie de dormir. On est en train de manger la galette. Et regardez ce que je vois. Fabrique aux gourmandises. Ah mais c'est leur propre fève. Mais non. Ouais. Dingue. Comme des porcs dans le canapé. Vas-y, c'est trop lent. T'as un truc à dire sur le fait qu'on ait mangé une galette pour 4 personnes à 2 plus la moitié d'une galette pour 8 personnes à 2? J'ai un truc à dire. On est mercredi 5 janvier.
Il est 18h04, ça fait 4 minutes que ma vidéo, ma première vidéo de janvier est postée. Du coup, je regarde les commentaires pendant que je regarde. Encore en 2012. Meilleur moment, je déballe mon revitalache. Regardez comment c'est fait. Un tout petit pinceau, tout fin. Faut juste le mettre aux racines des cils. Et voilà. Je pense que je vais me faire une infusion avant de dormir et je vais donner à manger à Miso qui attend. Miso, il miaule pas quand il a faim. Il se met sur la chaise. Tu baves, Miso. Sur ma chaise. Et là, j'ai une espèce de nouvelle résolution. C'est d'essayer de pas trop aller sur mon téléphone le soir. Et le matin aussi. Mais le matin, j'ai moins de mal. Le soir, c'est vrai que je suis beaucoup plus sur mon téléphone. Donc, je pense que je vais vous quitter là. Écoutez, moi, j'ai trop aimé faire des petits tests. Vous savez, hein, comme d'habitude, dès que je teste de la nourriture, je suis contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je fasse comme prochain test. Vraiment, les galettes des rois, c'était obligé. C'est la période. D'ailleurs, dites-moi si vous avez acheté une galette cette année. Je sais pas. En vrai, je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est un truc que je fais tous les ans? Ouais, je pense que globalement, j'achète des galettes tous les ans. Bref. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous a plu. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et n'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram. Le lien est en barre d'infos. Comme d'habitude, je suis active tous les jours. Et on se retrouve mercredi à 18h dans une prochaine vidéo. Mouah.